êtes un malin de détraqué. Bienvenue dans le monde des vivants. Je vais me réveiller. Bonjour, bonsoir à tous, ici Bat1398 de la Bat Production et voici ma première vidéo sur Ozu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ozu, Ozu est un jeu pour tester sa maniabilité à la souris. Et c'est un bon test quand vous avez une bonne souris comme moi maintenant. Ah, je suis fier. Voilà, j'ai mis la musique ici, si j'aime ça. Voilà. Alors je ne suis pas un professionnel. C'est encore moi le meilleur dans ce jeu, ça veut dire la même chose, dédicace à Axis. Mais pour notre première vidéo, je vais faire la map que j'adore dans ce jeu, que j'ai téléchargé sur Ozu. Je vais montrer le site de Ozu, enfin je vais mettre dans la description le site de Ozu. Et on va commencer directement. Alors, c'est franchement compliqué, vous allez voir. Bon, celui-là est très tranquille, mais après je vais vous monter en hard. C'est toute une course tracée. J'ai connu ce jeu avec Coro Bizarre. Pendant que c'est live, quand je le vois en train de faire toutes les maps qui sont tous en hard, je me dis mais comment il fait. Et ce jeu est très addictif, il a dit lui-même. Ce jeu est très addictif, pas comme genre Call of Duty et tout ça. Ce jeu est addictif parce que t'as envie de t'améliorer dessus, c'est pour ça que tu continues en fait. Ça sans faute. Ça fera longtemps que j'ai pas fait cette vidéo parce que mon logiciel de montage bug un petit peu. Je ne peux pas faire de montage d'une vidéo de plus de 20 minutes, de 15-20 minutes. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur Ozu et normalement elle va durer genre 10 minutes. En fait, je suis en train de battre mon record là. Ah. Bon, de toute façon, j'ai déjà battu mon record alors. Faut que je rentre un peu. Attends. Ah bon. Ah, j'ai l'air tout. Je crois que j'ai commencé. Oui. C'est peut-être dimanche que j'ai fait un B. Alors là, à un niveau de descente monumentale, vous voyez là. Je crois que j'aurais pu même faire un A là, hein. Même un S peut-être. Oh, là ça m'énerve. Parce que j'ai pas de tapis de souris du coup. Quand je vais trop bas, ma souris elle sort de mon bureau. Et ça m'énerve. C'est pour ça que j'ai fait pause. Alors on va réessayer, si ça vous énerve, ne regardez pas la vidéo. Ça fait un petit avant, certainement. Ce jeu est aussi très utile pour... Il est très utile pour League of Legends parce que... League of Legends c'est un jeu qui veut beaucoup utiliser la souris, très précisément tout ça. Cette souris, et cette souris, ce jeu, vu qu'il est capable d'améliorer vos performances en souris, ça vous permet à faire des coups secs, très précis. Genre, moi, vu que je joue beaucoup Blitzcrank,
Tant que je bats pas mon leur corps que je viens de faire là, je vais rien faire. Tant que je bats pas mon record, je vais pas arrêter. Je sais pas si vous entendez mes parents, désolé si vous entendez. Vous entendez? J'aime beaucoup faire les tails. Oh, je pensais qu'il y avait été. J'aime beaucoup faire les tails, surtout la musique, comme vous entendez. C'est du rock celtique, ça j'adore. Enfin, comment sur Fairy Tail. Ah merde, moi je commence pas. Bon, là je commence. J'ai totalement loupé. Un autre manga que j'aime bien, je vais faire ça dans l'épisode 2, c'est Shingeki no Kyojin. Mon manga préféré est Fairy Tail, hein, si vous voulez me demander. Merci pour les 35 abonnés, sinon. On n'a pas dit dans la précédente vidéo. Ah merde. Ah. Il y a un truc qui est très énervant dans ce jeu. C'est que n'importe quoi, si vous faites un A, si vous battez pas votre record de fois, ça ne s'affichera pas. C'est ça qui est énervant. Il faut vraiment capituler. Dans mon sens, Fairy Tail n'est pas très rapide, on va dire, mais pour être calme, genre là, c'est des parties assez faciles, difficiles, hein, pour vous dire que c'est parfait. Je chante très bien, je l'ai vu. Spin, je déteste. Ah ouais, pourtant là j'ai réussi. Cette vidéo sera en 60 fps. Ouais, j'ai totalement foiré. Alors, juste pour vous montrer la vraie vitesse, c'est une 3 étoiles et demie. C'est compliqué. Vous voyez, on ne peut rien faire. Et si vous connaissez Corbusier, lui il fait ça d'une traite. Hein. Voilà. What? Bon. Ouh. Si vous demandez pourquoi j'ai des dédicacé Axis pour ça, c'est parce que si vous voyez là, et je sais pas si vous allez voir le mastery, vous voyez Axis CH, c'est lui qui a fait cette map. Bon, j'ai un petit peu une bite là-dessus. Surtout qu'il y a un moment. Il fait un très gros coup de pute. En fait, le spin, c'est les ronds qu'on fait là. Et direct après le spin, il met un bouton pour appuyer. Et c'est ultra compliqué. Genre, si vous êtes là et le bouton il est là, bah, c'est un peu compliqué là. Et c'est pour ça que je vous conseille de mettre votre. Après, je vais voir si la musique est trop grande. Et je régalerai ça dans l'épisode 2.
et c'est un vrai gros coup de pute. C'est pour ça que je vous conseille de mettre la vitesse la plus haute que vous pouvez, enfin la plus à l'aise où vous êtes. Moi ça tombe bien parce que j'ai acheté une nouvelle souris et sur cette souris je peux changer les DPI. En appuyant sur un bouton là, j'ai un DPI de 1200 je crois. Et plus les DPI que j'ajoute sur mon ordi, bah je crois que j'ai vers 1500, un truc comme ça. Et pour moi c'est une vitesse assez parfaite. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et me donner des conseils pour m'améliorer. Et sinon je vous dis à bientôt. Bye bye, abonnez-vous.